Bonsoir, bon bah moi c'est Thomas Vanderhaden, je me présente, ça fait 5 ans que je fais de la photo, donc essentiellement paysage, flore, nature, en Picardie. Donc je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous montrer des images sur la forêt d'Alate et la flore et les insectes. Et suite à cette petite vidéo, si vous avez des questions à me poser, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. À tout à l'heure. Thank you.
Alors, comme vous avez pu constater, je fais beaucoup de photos de forêt avec la brume. Donc, ça donne une ambiance quand même assez particulière aux photos. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était la boutique du Seigneur des Anneaux. Je trouve que ça se prête beaucoup à ce type de photographie. Donc, je vais vous expliquer un peu comment réaliser une photo, par exemple. On va prendre le Narcisse, celle-ci ou l'autre. Donc là, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est réalisé avec... avec une focale fixe de 300 mm. Alors pourquoi ce type d'objectif? Parce qu'on a une distance de mise au point minimum de 1m40, ça veut dire qu'on peut se mettre à partir de 1m40 du sujet, ce qui permet de nous donner un arrière-plan diffus et d'isoler le sujet. Donc là, on pourrait se demander comment on arrive à avoir toutes ces petites choses-là, vous voyez, tout ça. Donc en fait, ici, je fais toujours mes photos en contre-jour. En contre-jour, ça veut dire que là, en fait, vous avez la lumière qui est diffusée avec tout ce qui est buisson ou feuillage. Ça va vous donner ce qu'on appelle le flair, les petits ronds. Et les petites pointes de orange, tout ça, ce sont en fait tout simplement des feuilles mortes, orangées. Voilà. Et donc, et puis la lumière après qui se diffuse au niveau de la fleur. Donc, généralement, je choisis toujours mon sujet de telle manière qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs. Donc là, par exemple, vous voyez autour, il n'y a rien. Et si vous avez des éléments perturbateurs de type branche ou de type de feuilles qui pourraient vous gêner, eh ben, vous les retirez avant la prise de vue. Il m'arrive parfois de ne pas les retirer et de m'en apercevoir quand je fais la photo. Moi, c'est pas grave, vous faites une photo, vous vous rendez compte qu'elle est ratée. Donc vous laissez... Ce que je fais, c'est que je laisse ma marque là où j'étais en train de faire la photo, où je laisse l'appareil photo à l'endroit, et je vais autour du sujet pour nettoyer en fait l'environnement. Voilà. On va passer sur une autre photo, sur les photos d'œufs de grenouilles, donc qui ont été réalisées cette année au mois de mars. Il faut savoir que en fait les grenouilles au mois de mars se retrouvent toutes dans les mares qu'on retrouve en forêt. Et là, j'ai joué sur le graphisme. Alors, tout ce qu'on a... Donc, on voit bien les œufs ici. Là, ici, c'est fait avec un 90 macro pour se rapprocher au maximum du grossissement. On peut même voir apparaître une petite mouche. Donc, vous voyez la distance de mise au point. Et tout ce que vous voyez ici, tout ce qui donne l'ambiance, on va dire, la féerie autour de la photo, ce sont les reflets du soleil, en fait, dans la mer. Donc là, ici, le plus dur, c'est de gérer la luminosité, parce qu'on a... On a beaucoup de lumière, donc on a tendance à surexposer la photographie. Donc moi, ce que je fais généralement, pour ceux qui connaissent la photo ici, donc après je vous expliquerai en langage moins technique, je sous-expose d'un cran, de moins 1 IL. Et après, si la photo est encore légèrement sombre, en post-traitement via un logiciel type Lightroom ou autre, on peut augmenter la luminosité. Mais tout ce qui est ici, en fait, est naturel. En fait. C'est simplement la lumière qui reflète dans l'eau. Après, on peut jouer sur les graphismes. C'est vrai que là, j'ai trouvé que les œufs grenouilles, ben, ça se prêtait à du graphisme. Et donc, par contre, l'ensemble est plus ou moins bleu. J'aurais pu choisir aussi jaune. C'est la fameuse balance des blancs. Donc là, j'ai choisi une balance des blancs, on va dire, dite froide. On va aller sur l'autre photo. Donc ici, je vais jouer, c'est l'effet inverse. J'ai préféré une balance de couleur dite chaude, donc qui tire plus vers le jaune. Et j'ai joué avec le graphisme, donc on voit les deux œufs ici. Donc je sais pas, mais moi ça me fait penser au regard d'une grenouille. Donc alors que ce n'est pas une grenouille, ce sont la nouvelle génération qui va arriver. On va choisir une autre photo. Je vais vous parler d'une technique. Donc là, celle-ci, c'est un peu techniquement parlant, il faut se lever de bonne heure. Voilà. C'est plus difficile, mais bon, quand on est passionné, généralement, ça va. Donc en fait, c'est juste pour vous parler des rayons lumineux que vous voyez ici. Ça, c'est un phénomène d'optique qui se passe quand on a une belle lumière rasante, donc là, ici, du matin, et avec l'humidité ambiante, donc ici, notamment la rosée. Donc en fait, la lumière se diffractionne à travers la lentille de l'objectif, et avec la rosée, on arrive à obtenir ce type de lumière. Donc ici, le plus dur, c'est pareil, c'est de ne pas... surexposer la photo qui aurait tendance à devenir trop claire. Donc pareil, on sous-expose la photo à la prise de vue.
Après, vous allez me dire comment on arrive à avoir des flous d'avant-plan. Vous voyez tout ça ici, hein. Donc, on se sert de la végétation environnante. Normalement, ici, vous avez de la mousse végétale. Là, c'est une feuille. Donc, soit elle y est naturellement, ou soit je vais prendre une feuille et la mettre entre moi et le sujet, ce qui va permettre, avec la profondeur de champ, d'avoir du flou devant le sujet. Je vais vous parler maintenant d'une technique dite de surimpression. Il y a beaucoup de nouveaux boîtiers maintenant où on peut assembler des photos directement au boîtier. Ça veut dire qu'on va prendre deux photos que le boîtier va assembler directement. Ce qui me permet d'obtenir des photos dites plus artistiques. Donc là, on a un... Je ne sais pas si vous voyez, autour de la fleur, on a une petite auréole. En fait, j'ai créé une première photo. On voit la tige ici de la fleur, avec la même fleur qu'il y a autour, et après une deuxième photo. Ce qui me donne un effet, on appelle ça un effet blur ou une espèce de flou. Donc ça, c'est la technique de surimpression, on appelle ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'était... La première photo est floue. La première photo est floue, tout à fait. Et on va la mettre sur la seconde. En fait, c'est le boîtier. Tout est fait directement à la boîtier. C'est une fonction qui est comme ça. Une double exposition, tout à fait. Voilà. Donc là, c'est aussi une technique de double surimpression. Donc j'ai pris une première fleur floue, décalée sur la droite, et j'ai pris après la deuxième photo, on va dire nette, que j'avais prise volontairement sur la gauche, parce que dans ma tête, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on veut faire une photo, il faut la penser avant de faire la photo. Je n'arrive pas comme ça sur place, et j'y tiens, je vais faire ça comme ça. Dans ma tête, j'essaye de penser photo, de penser composition. Donc là, je m'étais mis dans la tête, moi, je vais faire une photo nette, et avec en reflet, en arrière-plan, la seconde. Donc en fait, ici, vous avez le même sujet, sauf que qui a été assemblé avec le boîtier. Il n'y a pas de Photoshop, ni de Lightroom, c'est directement fait au boîtier. Donc ici, par exemple, vous voyez l'arrière-plan, on voit tout ce qui est taches jaunes, tout ça. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'on peut jouer avec l'environnement autour de la fleur. Donc ici, le sujet, c'était une anémone sauvage. Et ce qui provoque les taches jaunes derrière, c'est tout simplement des jonquilles sauvages. Donc c'est à nous de se positionner. En fait, moi, ce que je conseille quand on commence à faire des photos de fleurs ou de flore, de type artistique, un peu comme moi, c'est de... Ben, moi, en fait, je suis capable de rester une demi-heure autour d'une fleur. En fait, on fait le tour de la fleur pour trouver, en fait, la bonne composition, ce qui nous permet d'avoir, ben, ici, vous voyez, ben, j'ai trouvé que le jaune se mariait bien avec la fleur, et en fait, ce ne sont que des jonquilles sauvages qui provoquent ce jaune. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous donner mes techniques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut être en bonne santé, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est fait ici, c'est fait à main levée. Je n'utilise pas de trépied, tout est à main levée. Tout est en map manuel. Et c'est de la macro, voire proxy, donc ça veut dire qu'il faut voir tous les détails à l'œil nu. Donc avoir une très bonne vue. Je suis souvent allongé. Donc j'ai aussi de drôles de positions parfois pour prendre certaines prises de vue. Je vous explique, j'ai les épaules comme ça, je suis allongé, je suis accroupi. Et parfois, j'ai mal, on va dire, au dos en venant d'une séance. Et je n'ai que 36 ans. Donc voilà, je passe les détails. Donc ça, c'était surtout pour la partie technique. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous avais dit tout à l'heure, je ne suis pas un très grand bavard. Mais il n'y a pas de souci, je peux vous répondre si vous avez des questions par rapport au type de vue, comment réaliser une photo, tout ça. Il faut savoir que pour les orchidées sauvages que vous avez vues dans la vidéo tout à l'heure, avant de faire de la photo, il faut vraiment connaître, la flore, la botanique. Parce que toutes les orchidées ne poussent pas partout. Donc il y a des lieux très spécifiques, donc il y a de la recherche à faire dans les livres, dans les manuels. Moi, je suis abonné au Conservatoire Naturel des Espaces de Picardie. Il y a un site, d'ailleurs, que vous pouvez aller voir. Où dessus, ils nous disent les endroits, mais pas précisément, mais les lieux où on peut trouver certains types de fleurs, voire d'animaux. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de vous renseigner, si vous aimez bien tout ce qui est orchidées, tout ce qui est fleurs rares, de vous renseigner avant. Après, je suis dans une optique aussi du respect, en fait, de l'environnement.
C'est-à-dire que pour faire une photo de fleurs rares, tout ça, on fait attention aussi à ce qu'il y a autour de soi. C'est-à-dire, c'est pour faire cette photo-là, par exemple, je ne vais pas m'amuser à piétiner tout ce qu'il y a autour de moi. D'accord, on est là dans un respect mutuel. La nature nous offre ça, donc moi, je la respecte. Voilà. C'était le message que je voulais vous faire passer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, c'est ça un peu comme une composition. Je me dis, plus maintenant, à mes débuts, non. À mes débuts, j'étais un peu comme tout le monde. J'avais mon appareil photo, j'avais mon objectif macro, j'étais un peu foufou, j'allais en forêt. Je prenais un peu tout et n'importe quoi en photo. Après, bon, on est un peu comme tout. On regarde ce qui se fait ici et là. Et effectivement, c'est comme de la peinture. Je me dis, bon, bah tiens, là, je mettrais bien ce sujet ici. J'aurais bien un fond comme ça qui ferait ressortir le sujet. Oui, effectivement. La moitié du temps, c'est avant. Et puis, il m'arrive parfois, une fois sur place, en ayant un endroit. Ça m'arrive comme ça, c'est un déclic. L'endroit, oui, tout à fait. Mais la lumière est très importante. Un cliché comme ça, je vous déconseille de le faire à 13h ou à 14h l'après-midi. Où la lumière, même en sous-bois, où la lumière serait vraiment pas belle. Le matin, on a une lumière très douce. Et le soir, on a une lumière douce et chaude. Donc, ça dépend du type de photo que l'on veut faire. Pas de flash du tout, j'utilise pas d'éclairage LED, tout ça, c'est vraiment de l'éclairage naturel. Réflecteur éventuellement? Non, même pas, non. Pas de réflecteur ici, tout à fait. Ouais, et puis il faut tourner autour d'un sujet, voilà. Et puis, ben, comme je vous ai dit, choisir le sujet où, par exemple, il y a moins d'éléments perturbateurs. Et s'il y a des éléments perturbateurs, des branches, des feuilles, rien ne nous empêche de les retirer. Ça fait partie de la photo. Plus de questions? Faut pas hésiter. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Bon, c'est vrai que je suis pas habitué à expliquer un peu tout ça, mais la technique, c'est un réflexe, c'est un objectif macro, comme je vous ai dit. Après, avec un tel objectif, 70-200, je sais pas si vous connaissez un petit peu, on peut le faire, on se met à 200 mm, on arrive à écarter le sujet de son environnement. Et puis après, c'est de l'entraînement. Parce que bon, bah, des photos comme ça, je ne les ai pas faites du jour au lendemain. On est bien d'accord, on devient forgeon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà. Et puis bon, après, avant de faire de la photo, j'avais quand même une âme sensible, comme tu disais tout à l'heure. Et puis je faisais beaucoup de dessins, tout ça. Donc ça s'est marié. Merci. Voilà. Merci. Decision.